J'espère que vous êtes prêts, les amis, parce qu'il va falloir qu'on sauve la petite Ashley. Et vite! Ça me ferait vraiment chier s'il arrivait quelque chose à ce personnage. Oh! Bah bon, déjà qu'il faut se balader dans la montagne, ça me plaît pas beaucoup. C'est vraiment par là qu'il faut aller. C'est du sang. C'est quoi cette trace? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a quelque chose là. Non? Un truc qui brille. Bon, les pierres, ça suffit, s'il vous plaît, hein. Je pense qu'il faut que je continue par là. Non. Non, 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 attends, attends, les traces. Les traces, elles mènent par là. Oh, je sais pas. Je vais aller par là pour l'instant. Oh, je sais pas si je dois aller là ou de l'autre côté. Là, il y a Chris qui se remet à appeler H, alors je suppose que c'est par là qu'il faut que j'aille. Et ça, ce serait... Un bonus. Encore des piafs. Qu'est-ce que c'est là? Oh putain! Les salauds! Mais qui ferait ça? Je sais pas. Mais c'est vraiment pas cool. Je peux passer à côté ou? C'est quoi ça? Une tête de... Oh merde. Cochon? Indice, tête de cochon. D'accord, c'est glauque, c'est moche, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Genre d'hôtel... Oh, il y a un autre truc là. Oh non, 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 par pitié, je sens que là, ça va être noir. Ça sent trop le noir. Ouais, totem de mort. On sait même pas qui c'est. On sait même pas qui c'est. Alors attendez. Attendez, attends. Ouh, en plus, il est loin ce totem là. Je sais pas. Ça a pas l'air d'être. Bon, en tout cas, c'est pas Ashley. Elle porte des collants noirs avec des baskets, des chaussures de montagne. Et là, c'était quelqu'un qui portait un pantalon. J'arrive plus à me souvenir qui portait ça. Peut-être Emily ou Matt. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on se casse d'ici. Ça me plaît pas trop de laisser cet épouvantail derrière moi. Au secours, je suis pas très rassuré tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Continue par là. En tout cas, on avait bien fait de revenir sur nos pas. C'est effectivement un chemin bonus. Enfin, bonus. Crise cardiaque à la clé. Je vois la lumière au bout du tunnel. Oh, une autre baraque. Je sens l'angoisse monter. Me demandez pas pourquoi. C'est dur de viser quand on n'est pas... Enfin, quand on a la vue sur le côté.
Oh là là. Écoutez-moi cette musique là. Faut pas regarder d'abord par la fenêtre avant de rentrer là-dedans. Mais là c'est vraiment la porte. C'est par ici. Et ben moi je passe à côté du coup. Parce qu'on sait jamais hein. On peut trouver des choses intéressantes à côté. Encore des corbeaux qui me ziotent là-haut. Ouh les vilains corbeaux. Allez voir ailleurs si j'y suis. Ils doivent bien se marrer là, me voir m'inquiéter. Peut-être pour rien. Oh là là, attendez, mais le chemin il va loin. En plus, il y a un truc qui brille par là. Là, encore un totem. Jaune. Je crois. Oh. Totem de perte. Non, ça devait pas être jaune. Oh, oh là là, mais c'est pas possible. Y a tout le monde qui va mourir. Tout le monde va mourir, au secours. Oh non, mais sérieusement. Je le sens pas du tout. Je suis tellement fier de moi d'avoir réussi à peu près mes QTE avec Mike. Je le sens tellement pas pour la suite. Ah bon, allez. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus le choix. Essaye de pas te prendre une baigne en rentrant, s'il te plaît. C'est quoi ça? Oh, j'entends du bruit. Elle pleure. Elle est en vie alors. C'est bien, non? Ashley! Il y a des. Il y a des animaux accrochés à des crochets là. Des cages partout. Tu vas bien avec. Oh bordel. Eh merde. Pitié, aide-moi. J'arrive, Ash, je continue à me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Chris, il m'a ligoté. Je peux pas bouger. Ashley, je vais te sortir de là. T'inquiète pas. J'ai vraiment peur, Chris. Dépêche, je t'en prie. Qu'ils reviennent. Parce qu'il y a, là, il y a un truc. Putain! Oh bordel! Qu'est-ce que c'est que ça? T'es là? Bonjour. Et oh, merci bon sang. De m'avoir rejoint. Ce soir, nous allons mener une petite expérience, comme un test. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets. Non. Joshua et Ashley. Mais on nage en plein cauchemar là. Nous avons besoin d'un autre participant pour nous. C'est Jigsaw ou quoi? Quel sujet vivra? Et lequel mourra? Non. Mais sérieux? S'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Non, vous êtes sérieux? Non. On peut pas tous les sauver? Merde, non. Non, c'est pas juste. Ok, tout va bien se passer. Oh, merde. Merde. Hey mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse merde, à ça une minute. Chris, je veux pas mourir. Juste une seconde, j'y arrive pas. Oh non, vous êtes sérieux? Je peux pas quitter et tenter autre chose? Oh putain. Je peux rien faire d'autre. Oh, je suis désolé, mais... Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. Non, pitié, non. C'est pas possible. Non, j'arrive pas à y croire. Chris, pitié, dis-moi que tout ça est pas vrai. Ah non, Chris. Tu as choisi de sauver Ashley. Non, non, non,
Il va clairement pas bien. Alors. J'arrive, je vais te faire descendre. Chut, arrête. Allez, allez, tu vas descendre, non. Allez, il faut te sortir d'ici. Oh putain, sérieux. Chut, on doit partir, ok? Je crois pas. Est-ce que ça va? Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Josh, quoi, vieux? Il est mort! Attends, c'est devant nous, putain! Mais de quoi tu parles? Il y a un cinglé! Un cinglé? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a un cinglé! Qu'est-ce que. Il avait dit! Et c'était lui, ouais, je savais pas quoi c'est faire! On a traversé ce giglé, saigné de partout! Quoi? Mais c'est pas vrai, Chris! Je l'ai tué! Oh non! C'était ma faute! Non, 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 c'est un truc de dingue! Il faut qu'on aille chercher de l'aide! Il a été coupé en deux! On va découvrir ce qui s'est passé! J'en sais rien, j'en sais rien! Matt, on doit y aller maintenant! J'en sais rien! M, on devrait aller chercher les autres! Mac et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça! Je crois qu'elle est au chalet! Bien, d'accord. On va rassembler tout le monde, mais s'il y a un cinglé qui se balade, faudra quand même aller chercher de l'aide. Non? Tu veux pas qu'on reste là? Mais pour... Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va! Alors là, les gens... Je suis sur le cul. Je pensais qu'il était possible de tous les sauver. Eh mec, t'as vraiment un problème avec ton décorateur, hein. Bonjour. La tension a monté d'un cran, n'est-ce pas? La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez? Bah ben non. Pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive? C'est ce que je me demande depuis le début. J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez, vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien. Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas particulièrement loyal dans votre façon de jouer. C'est bien le tueur à qui il parle. Vous allez continuer à vous comporter avec autant de complaisance. Je dirais pas qu'il me fait peur, donc je vais répondre oui. Et croyez-vous que moi, je suis bien réel? Vu le décor, je dirais que vous n'existez pas. Ah, c'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence? J'en doute. Bien, je suis en train de perdre le contrôle de cette partie. En tout cas, je crois que ceci marque la fin de notre épisode. Moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite du Let's Play sur Until Dawn. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Dairon. Tchuss!